Et nous voici de retour. Alors, cette vidéo, je la refais quelques jours déjà après les autres vidéos. Il y en a déjà pour 3 épisodes. Et il y a déjà une chose que je voulais absolument dire, parce que j'ai eu le temps de, évidemment, regarder, même de traiter déjà les 3 premiers épisodes. Et je voulais déjà m'excuser déjà pour les problèmes du micro. C'est que vous l'avez sûrement entendu, à plusieurs moments, il y a le micro qui se met à grésiller. Alors j'ignore un peu pourquoi il fait ça, très franchement. J'ai ma petite idée, je pense que c'est peut-être parce que le micro n'était pas connecté sur le même port USB que d'habitude. Ouais, parce que j'ai un micro casque USB. Il n'était pas connecté sur le même port USB que d'habitude, c'est peut-être pour ça. Mais en même temps, j'en suis pas très sûr. Donc là, normalement, je l'ai remis sur le port USB que j'utilisais d'habitude. Ah voilà la nuit. Ouais, effectivement, il y a bien un cycle jour-nuit, apparemment. C'est-à-dire, le port USB sur lequel j'ai enregistré tout mon playthrough d'Outsiders 2, donc je pense que ça devrait aller, puisque il y avait pas de grésillement sur le playthrough d'Outsiders 2. Mais bon, voilà, petit désagrément, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Moi, ça m'a un petit peu dérangé, c'est vrai, mais... bon, voilà. Alors, la deuxième chose, en fait, pourquoi est-ce que je traîne un peu dans le village? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu déjà regardé et traité les vidéos d'avant. Et j'ai remarqué, en fait, au tout début du tout premier épisode, quand on était à l'écran titre, j'avais fait exprès de laisser un peu, comme ça, le jeu sans toucher à la manette. Et il y a eu une petite cinématique, un petit trailer qui nous a présenté un peu comme ça le début du jeu et certains personnages. Et j'ai vu dans le trailer que ces arbres-là, on pouvait les faire fleurir. Alors je vais essayer déjà, je vais remettre le soleil, c'est vrai, j'aurais déjà pu remettre le soleil. Donc on dessine toujours la même patate, une patate qui ressemble à rien. Et ça fonctionne quand même, c'est assez dingue. Mais bon, donc on remet le soleil. Et j'ai vu sur le trailer, je crois que c'était celui-là d'ailleurs, sur le petit trailer, que si on fait un cercle, hop, ça marche pas. Peut-être que j'ai pas encore le pouvoir. Non. Bon, c'est que j'ai pas encore le pouvoir de faire refleurir les arbres. Mais apparemment on peut le faire, enfin c'était montré sur le trailer, peut-être que celui-là, peut-être que je m'y prenais mal. Hop. Non plus, peut-être dans l'autre sens. Non, c'est que je ne dois pas encore avoir le pouvoir pour faire ça. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, on va aller consulter la carte. Ah ouais, on n'est pas obligé de passer par le menu. Si j'appuie sur le bouton, je fais apparaître la carte. Et donc, il faut que je retourne à l'arbre qui est tout en haut. Si je me souviens bien, la petite conversation avec Sakuya qu'on a eue juste à la fin de l'épisode précédent, elle me parlait justement de ces grands arbres. Il faut peut-être que j'y retourne. Sinon, on partira à la recherche de Susano, qui est parti là poursuivre des démons. Bon, je sais pas dans quel état on va le retrouver, celui-là, ça m'a l'air... Ah, il y a déjà quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux personnages, d'accord. Il y a des nouveaux personnages, mais ils disparaissent. Il m'a l'air quand même assez... Comment est-ce qu'on peut placer la caméra pour faire ça correctement? Voilà, peut-être comme ça. Et si je fais mon cercle... Non plus. Non, j'ai créé le soleil. C'est pas le soleil que je voulais faire. Si, tiens, c'est le soleil qu'il fallait faire. Puisque les personnages sont là. Waouh, loup blanc. C'est Susanka. La statue de Shiranui qui était là a disparu. Et tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Oui, puisque c'est moi. La statue n'est pas devenue vivante quand même. Si. Tsubaki. Grande sœur, ce chien a quelque chose d'étrange sur le dos.
Arrête de dire des bêtises, tu t'imagines encore des choses. Après ces sottises sur une porte de lumière, bah c'est vrai, je mens pas. Je l'ai vu à l'intérieur du sanctuaire. Bah, je vois aucune porte de lumière. Bah c'est vrai, je mens pas. Ouais, Sniff. Il y a une statue là. Examinez la statue des dingues. A été érigée pour protéger le village. Elle est encore plus cachée que la statue de Shirami. Ah bon? Le village devait vraiment le vénérer. Mais je ne savais pas qu'il existait une autre statue d'Izanagi ici. Et bon. Bah apparemment nous sommes venus ici pour pas grand chose. Enfin, on va quand même discuter avec deux personnes. Mais je croyais vraiment qu'il fallait... Faut peut-être bien se placer, hein, cette... Oh là, on ne voit rien du tout avec le rocher. Non, en fait, je dessine le soleil. Bon, ben, nous sommes venus ici pour rien. Il fallait apparemment simplement suivre Susano. On va aller le retrouver. Dans quel état, je ne sais pas, mais... On va aller le retrouver. Et celui-là, il n'a rien d'autre à me dire qu'un petit combat. Ah, je le sens, je le vois. Oui, d'accord. À chaque fois qu'on lui parle, en fait, on a... non, d'abord, il faut le taper dessus. Hop. On va essayer de se faire les deux. D'un coup, c'est parti de travers. Voilà, deux d'un coup. Yop. Alors, temps dégage à cerisier fleuri et je gagne les rayons. Ah, je commence à avoir beaucoup d'argent. Ah, cette fois-ci, ça a duré 11 secondes. La première fois, ça avait duré 14 secondes. J'ai choisi la voie du Bouddha, mais je me sens une autre force en toi. Je vois que tu as aussi choisi le chemin de la vérité. D'accord, j'ai encore gagné des petits... des sphères de bonheur, d'accord, d'accord. Il y a peut-être une espèce de record à battre. Si on descend en dessous des 10 secondes, peut-être. On va essayer, allez. Et ok, ils sont partis, mais cet endroit n'est pas encore... À la vie, la nature est encore trop faible pour ressusciter. Bah oui, mais quand je fais ça, ça fonctionne pas. C'est ce que j'ai vu sur le trailer, mais je dois pas encore avoir le pouvoir, c'est pas grave. Bon, bah on va retourner. On va partir à la recherche de Susano. Ah bah il s'est établi ici lui. D'accord. Bien, je pense que je vais écouler la marchandise avant de repartir. Peut-être que ton maître t'a envoyé faire les courses. Faire des courses? Bah oui, on va voir ce qu'il a. Ah, je peux vendre aussi, j'ai pas grand chose de toute façon. Un sac à aliments. Sac à aliments. Ah, j'ai plein de... D'accord, d'accord, d'accord. Oh, les petits lapins. Ils mangent des herbes. Et bah, je vais en prendre... Ah, écoute, vu le prix, c'est quand même 500 Rio. J'avais vu des poules aussi qui mangent des graines. Le saké préféré des samouraïs augmente temporairement l'attaque. D'accord, d'accord. Le saké préféré des moines augmente temporairement la défense. Un os sacré. Restaure 3 soleils d'énergie. Ok, moi j'ai pris pour aller nourrir les petits animaux. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais... Apparemment, il me donne des sphères de bonheur. Et les sphères de bonheur, ça permet d'augmenter... Ah, on peut avoir des...
poissons, mais poissons trésors, mais je n'ai rien. Et dans les objets, bah c'est ceux que je posais. Ah, c'est quand même 2000 balles, ça, le charme d'Exos. L'exorcisme, 2000 rio. Ouais. Inventaire. Ah, bah, mon inventaire est limité, apparemment, 1 sur 99, sur 99. Ouais, je parle le français et le belge. et le suisse aussi, c'est vrai. Bah écoute, je vais aller nourrir les petits animaux, ça va me faire. Des graines, bah non, ils mangent pas des graines, les lapins, ils mangent. Des herbes. Petit moment magique, comme ça je vous laisse en entier et je la ferme. Vous voyez, ils ont des petits. Ils m'aiment maintenant, ils m'adorent. Et ils m'ont donné des sphères de bonheur, c'est bien, comme ça je pourrais augmenter encore une autre caractéristique. J'avais vu des poules par là-bas. Voilà, oula, on va essayer de pas les effrayer. Des graines, oui. Ouais, c'est vraiment un petit moment comme ça magique, c'est vraiment. Ah, c'est vraiment bien d'avoir des petits trucs. Et du coup, les poules m'adorent. Tant mieux, tant mieux. Hop, on reprend encore un petit navet. Apprends ta petite pastèque puisqu'elle est là, autant en profiter. Hop! J'ai 140, j'ai mon estomac qui est presque rempli. Alors, je sais pas ce qui arrive quand il sera rempli au maximum, on verra bien. Oui, il y a d'autres petites choses que j'avais vues dans la vidéo. En regardant un petit peu tout. Alors là, il y a une espèce de petite île. Mais j'espère que j'y arriverai. Je sais pas si je vais pouvoir nager jusque-là, on va essayer. Alors, on voit quand même ma barre de vie qui diminue. Il est mis quand même vite. Oula. Ok. Ah bah il y a un petit trésor. J'ai pas fait tout ça pour rien. Vous obtenez une bille de libellule. Ah bon. Une perle unique qui brille de 1000 couleurs. Ok. C'est tout. Ah non, et comment est-ce que je remonte? Ah bah comme ça. Ah je peux pas les couper ces arbres là. Ah si. Oh. Peut-être parce que c'était trop haut. Ouais si on se met trop haut ça coupe pas. Et si on se met plus bas ça coupe. Ah bah c'est intéressant à savoir. Toki, est-ce qu'on ne voit rien d'autre? Non. Oh,
En appuyant sur croix, on peut nager plus vite. Voilà. Et puis il y avait encore une autre île de l'autre côté, mais je sais pas si on va pouvoir y aller. Ça, allez voir. Oula. Celle-là, je l'ai vue quand j'étais venu ici découper les armes. Donc ils sont réapparus. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même un... Elle est assez haute. Je sais pas s'il arrivera à sauter jusque là. Bon, on va essayer. Non, je n'arrive pas à sauter jusque là. Vite, 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 vite. Oula. Je n'arrive pas à sauter jusque là. Bon, bah, ce sera pour une prochaine fois. Faut peut-être augmenter mes caractéristiques. Je ne sais pas lesquelles, mais... Et l'autre île, bah, elle a l'air loin, et puis elle aussi, elle a une espèce de monticule. Bon, ce sera pour plus tard, peut-être. Vous mangez une carotte. Une plante à la racine charnue, remplit un peu l'estomac. Non, ça fonctionne toujours pas. Bon. Alors, dernière petite chose que j'ai vue aussi dans la vidéo et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant? Bon, tout ça, on peut en profiter. Ça fait plein de nourriture. Voilà, je suis un peu trop de travers. Raté. Voilà, j'ai mon estomac qui est presque rempli. Oh, c'est quoi ça? Là, il s'est passé quelque chose, je sais pas trop ce que c'était, mais bon. Ouais. Non, en fait, je pensais que c'était un passage pour pouvoir aller jusque derrière la cascade, mais c'est pas le cas. Et de l'autre côté, je crois que c'est pareil. Ouais, oula. Je croyais qu'il y avait un passage pour aller derrière la cascade. Bon. Bah, c'est pas grave. Voilà, on a fait un peu le tour. Je vais pouvoir sauvegarder. On en profite, hein, puisque... Il faut absolument sauvegarder. Il n'y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu. C'est un jeu à l'ancienne. Oui, je veux écraser les données. J'espère que mon micro ne grésille pas. Je suis déjà à 2h16 de jeu. Ne grésille pas parce que sinon, je sais pas trop comment je vais faire. C'est une bonne question. Il y a une espèce de... halo lumineux juste devant moi. Ouais, bon, on va aller voir. Ah, c'est peut-être simplement pour changer de zone. D'accord. Les plaines de Shinshu. Shinshu. Hein? Ama, je suis sûr que tu le sais déjà, mais nous sommes ici dans les plaines de Shinshu, la plus belle du Nippon. Enfin, elle est censée l'être. Mais depuis cet incident, j'ai un mauvais pressentiment. Soyons bien sur nos gardes. Tu peux consulter la carte en appuyant sur la touche R2, je le sais. Vérifie bien notre position au fur et à mesure de notre progression. Ouais, l'espèce de halo, ça délimite en fait les zones. Ah, il y a le nom... le village Kamiki. Il y a carrément le nom qui apparaît juste au-dessus. C'est bien. J'ai encore plein d'arbres morts, mais je peux toujours pas les ramener à la vie, non. Pourtant, je vous dis, c'est ce que j'avais vu dans le trailer, mais c'est que je dois pas avoir le pouvoir de le faire. La nuit tombe. Le pot réapparaît. Il y a des espèces de machins verts. Ok. Sûrement des ennemis. Oui, oui.
Ah mince, c'est l'arbre qui est indiqué sur notre carte. C'est censé être un endroit de repos pour les voyageurs. Mais on dirait qu'il est sur le point de s'écrouler. Cet endroit est maudit. Ces endroits où le mal s'est ancré, où les yokai tourmentent la nature, sont tout simplement appelés des zones maudites. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi important. Le mal a corrompu la nature de cet endroit, même cet arbre. Quel genre de créature a le pouvoir de faire ça? Un dieu? Cet arbre est un avatar de Sakuya. Il protège la nature de cet endroit. Peut-être la nature retrouvera-t-elle sa beauté si nous le ravivons. Mais comment faire? Ah, c'est peut-être maintenant que je vais avoir le pouvoir de raviver les arbres. Allez, toi, hop, on te tranchouille. Celui-là, bah, pareil, hop. Encore une petite fois, allez. Cerisier fleuri, 300 rions. Oh bah on va tous se les faire, hein. Je gagne de l'argent. Non, d'abord on les tape. Faut faire les choses dans l'ordre. D'abord on les tape. Hop, j'ai essayé de me le faire tous les trois d'un coup. Raté. Voilà. Je suis pas encore à mettre dans le maniement de mon pinceau. Ça serviendra sûrement avec le temps. Ah bah il y en a là au-dessus. Ouais, est-ce que je peux aller... Oula! Oula, c'est pas bon ça! On dirait une zone maudite, mais la malédiction est bien plus puissante ici. N'importe qui serait maudit en un clin d'œil. Je pense que cela pourrait même te priver de tes pouvoirs. Ok. Il faut pas aller dans les zones sombres. Allez hop, on va essayer de se les tranchouiller tous les deux, si j'y arrive, ouais. D'accord, d'accord. Alors, ah ouais, quand même, il y a vraiment... La zone maudite vraiment prend le dessus sur tout le reste. Ah, il y a encore des ennemis. Ah, il y a quelqu'un là au bout. Bah, on va se faire tous les ennemis. J'aurais dû trop fuyer l'autre parce que j'arriverai pas à tout ce qu'on va faire. Bah, du coup, il est revenu. Pas grave, voilà, il est mort. On va quand même l'achever. Après celui-là, hop, ça lui fait rien, c'est bizarre. Dans ce sens là, Et il y a un petit symbole qui apparaît là. Je sais pas exactement ce que c'est. Vraiment, tout en bas à gauche, il y avait un symbole jaune. Je sais pas ce que ça représente, ce petit symbole là. Vous voyez, il est encore là. Ah, c'est peut-être le symbole combat. Je sais pas. Ouais. Alors celui-là, on le tranchouille. Celui-là, pareil. Voilà, on va voir si l'autre n'avait pas... Si, il avait laissé tomber de l'encre et des sous.
Ouais, mais t'es dans une zone maudite, mon gars, ça va pas être facile. Encore une statue! Ils ont tous été chargés en pierre. Il y a une terrible malédiction à l'œuvre ici. Aidons tous ces gens et nettoyons cet endroit du mal. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Examiner. Regarde, cet arbre est en piteux état. C'est sûrement pour ça que la petite Sakuya est si triste. Je suis persuadé que la beauté naturelle de cet endroit reviendrait si on pouvait redonner vie à cet arbre. Mais comment faire? Si seulement tu pouvais faire fleurir les arbres. Bah, on va essayer. Non. Non, mais j'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas encore ce pouvoir-là. Le village Kamiki, bah, c'est de là qu'on vient. Le village Anazaki. Bah, ça, je connais pas. On va aller voir. Ah. Le jour se lève. Le jour se lève, mais les ennemis sont toujours là. Tiens, c'est pas des ennemis qui apparaissent la nuit. Ah bah il est tout seul. Bon, il est tout seul. Hop. Raté, tiens, il a contré. Si, hop. Bah, t'en veux encore? Ah, il est vert maintenant. J'ai mon symbole qui est vert. Tantôt il était jaune. Il est vert, mais c'est peut-être parce que le jour s'est levé. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est ce symbole-là. Ouais, il est toujours vert. On va essayer de tous les tranchouiller. Mais c'est celui-là qui a contré. Raté. Oula. Non, j'arrive pas dans ce sens-là. Voilà. Ah, il m'a lâché un croc démoniaque, si je me souviens bien. Et j'ai quand même un cerisier fleuri. Bon, apparemment, quand on fait des traits dans ce sens-là, ça donne pas des coups d'épée. Ouais, mais l'eau ne m'inspire pas confiance. Maison de l'homme sans nom. Une lignée de gens habitait ici, protégeant la vallée de Hanazaki. Ah, il m'a lâché un sac de graines, peut-être. Alors, en profite, on regarde un peu les animations, hein, pour une fois que... Elles sont vachement bien. Alors, je sais pas si c'était... comme ça, déjà, dans la version PlayStation 2. Non, d'une ganja. Que s'est-il passé, mon frère? J'étais en train de couper du bois et de communier avec la nature quand j'ai entendu un grondement venant du lac. Un tremblement de terre, puis un vent puissant ont surgi de nulle part. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, c'était la pagaille partout, mon frère. Tout ce que j'ai construit a disparu. À la place se trouve cet endroit maudit. Mère nature doit être en colère. Pas bon, mon frère. Pas bon du tout. Tout ce que je veux, c'est vivre en harmonie avec la terre. J'ai vu quelqu'un courir du lac vers le village Kamiki. Ah. J'espère qu'il va bien et que Mère Nature le protège.
Ouais, mais moi c'est plutôt quelqu'un qui sortait de Kamiki, moi que je cherchais, le fameux Susanoo. Je sais pas où il est passé celui-là. Alors, on va aller te piquer toutes tes provisions, tiens, pour la peine. Et hop. Il y a même de l'argent dans les bûches. Oh, et la bûche elle réapparaît. Ok. On peut pas grimper aux échelles, je sais pas comment on fait. Dadawa, mon frère des forêts, tu connais cette cave? C'est l'entrée d'un endroit appelé la vallée de Hanazaki. Il s'y trouve une belle fontaine, mais elle est hantée par les yokai. Il y a au fond une boule de cristal qui fait croître les plantes. Ah ben voilà, tiens, justement. Ben, ça tombe bien, j'en ai besoin. N'importe quel amateur d'herbe voudrait mettre la main dessus. À vrai dire, j'ai vu Susanoo s'y précipiter. Oh ben voilà, on fait une pierre deux coups. Il n'y a pas longtemps, c'est bizarre. Normalement, il évite plutôt les monstres. Et il préfère du bon saké à l'herbe. Quoi qu'il en soit, c'est un endroit dangereux. Sois prudent, mon frère. Ouais, et ben justement, ça tombe bien, moi j'ai besoin de cette perle et on va pouvoir y retrouver Susanoo, une pierre deux coups. Oh là, ils sont deux armés. On va essayer de le tranchouiller. Hop. Et toi? Et hop! Ah, il m'a encore lâché des crocs, il me lâche pas mal de crocs celui-là. Le fameux croc démoniaque. Bon, bah on va aller voir, hein. C'était peut-être de l'autre côté qu'il fallait se mettre ou. Non. Nous allons au village, la vallée d'Hanazaki. Allez, petite sauvegarde. C'est vrai que je peux faire 30 sauvegardes, mais bon, je pense qu'avec 3, ouais, j'ai fait... presque tous les Final Fantasy comme ça, en utilisant 3 sauvegardes. Je pense que ça devrait être bon. Ah bah, il y a déjà un trésor. Vous obtenez une amulette du voyageur. Protège les voyageurs du danger. Augmente la divinité d'un niveau. Je sais pas ce que c'est, la divinité d'un niveau. Un niveau de quoi? Je ne sais pas, et... la divinité, à quoi ça sert, je ne sais pas non plus. Ah, je vois qu'il y a les yokai qui dansent. Bah oui, c'est vrai, c'est... ce sont des flûtistes. C'était inscrit dans leur description. Toi, je te tranchouille, l'autre, celui-là, je l'ai raté, j'aurais dû tranchouiller tout à l'heure. Yop. J'espère que le feu, je ne peux pas passer là. Alors, raté. Voilà. L'autre, il me montre son cul. Ah, tu vas voir, toi, comme ça, tu montres ton cul. Doit être là, voilà. Et il m'a lâché un croc démoniaque. J'ai quand même mes cerisiers fleuris. Je pensais que je m'étais super mal débrouillé. J'ai quand même mes cerisiers fleuris. Oula, d'accord.
Hein? On s'est débarrassé des yokai, alors pourquoi les Kami n'ont pas retrouvé leur pouvoir? La malédiction doit être vraiment puissante sur ces terres. Il faut trouver un moyen de supprimer cette atmosphère putride. Ouais, bah on va continuer notre route. Ah, je peux pas trop fouiller le feu. Mais je peux lui taper dessus pour l'éteindre. D'accord. Pourquoi pas? Vous obtenez un sac à aliments, c'est du poisson. Un véritable régal pour certains animaux. Quels animaux mangent du poisson? Les chats. Les ours. Qu'est-ce qu'ils mangent du poisson? Eh, regarde cet arbre, il bouge. Amal, sois prudent. Oula. T'as vu ça? Il nous a balancé un fruit. Allez, Amal, finis de rigoler. Frappe le fruit pour lui renvoyer. Dessine un trait net et droit pour renvoyer le fruit. C'est compris? Ouais, bah on va essayer. Allez, vas-y, balance ton fruit. Pas trop tôt, peut-être. Voilà. Yop. Regarde, l'arbre est sonné. Allez, Zou, ne traînons pas là, profitons-en pour passer. Ah, je peux pas l'achever. Ouais, tant qu'à faire. Non, on peut pas. Trop tôt, voilà. Bon, bah, on passe. Ah, il y en a un autre. Oula. Allez, vite. Une tête, je ne sais pas, de buffle. Il y en a un là. Ouais, il y a peut-être un secret en haut. Allez, vas-y, balance-moi ta... Oh la vache, là je vais me la prendre, non? Je suis pris un peu trop tard. Ouais, je m'en doutais, il y a peut-être un petit secret ici, non? Il n'y a rien du tout. Tiens. Je suis venu là pour rien, c'est mal à ça. Ah, c'est peut-être pour remettre. D'accord, même le soleil n'arrive pas à percer cette atmosphère putride. D'accord. Et je suis venu ici pour rien. Ok. Oh. Oh, tu l'as balancé trop. Ah, ça me retombe dessus. Alors, même les arbres noirs, mais je pense que c'est des arbres normaux, c'est simplement qu'ils sont noirs pour faire un effet. Oula. Allez, vite, passons, en profiter pour vite piquer ce qu'il y a là-dedans. Il y a des fruits et un sac de graines. Là, il y a un nouvel ennemi apparemment. Ouais. D'accord, un nouvel ennemi. Un joueur de tambour. Allez, toi, on te tranchouille. L'autre, on va récupérer ce qu'il m'a laissé. Celui-là, la caméra est pas très très rapide. Ah, il est juste là. D'accord. Ok. Ah ouais, il est sous terre. Je sais pas comment.
Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je lui tape dessus tant que je peux, mais... Ouais, il y a quand même sa barre de vie qui diminue, mais il a l'air assez courir. C'est peut-être un boss. Oh non, ça, ça lui fait rien. Est-ce que je peux faire des super combos ou des trucs? Ah, tiens, je peux faire ça. Allez hop, on te découpe et il m'a lâché un pro. Ok, bah c'était peut-être un boss. Alors on a dépassé les... Oula, je viens plein de sous là. On a dépassé les 11 000 rios.